vous regardez RTL. Vous devriez chanter, vous tous les deux, en fait. Vous savez, ah oui. Mon Dieu. J'ai chanté, je crois, vendredi, avec Mireille Mathieu. Ah bon? Ah oui, j'ai vu ta photo. Oui. Ah, c'est pour ça, cette coupe de cheveux. Et elle m'a proposé de partir en tournée avec elle. Alors, il est vrai que je pense que... Vous allez faire la tournée des dictateurs, comme elle. Made in France, dans toutes les belles chansons françaises, les vrais tubes. Il l'a fait rire. Mais comment ça se fait que vous avez chanté avec Mireille Mathieu? Eh ben, Mireille Mathieu m'adore, figurez-vous. Et qu'on était sur un plateau, et je lui ai chanté « Je suis une femme amoureuse ». Oh là là. Bon, bah... Ça, je comprends que ça l'ait choqué. Tu prends des risques, mon pote. Non, mais c'était, alors c'est vrai que j'étais pas très juste. Non, mais non, en tout cas, il s'est passé un truc entre nous. Ah oui. Elle s'est mise à chanter pour le soutenir et voilà. Il lui dit. Tu chantes mieux quand on est deux. Ben non, mais je pense qu'il y a une osmose entre nous. Oui, oui. Une osmose intellectuelle. Il est bien gentil à visiter toutes mes pièces. Je l'ai surnommé le comte d'Avignon. On se moque J'aime pas de Mireille. J'aime beaucoup Stéphane Plaza. J'aime beaucoup Stéphane. Et c'est vrai qu'elle articule beaucoup. J'adore. Ah, ça, elle articule. Oui, mais... Comment veux-tu que tu me... Ah, oui. Ben, elle a beaucoup travaillé. Non, on se moque pas de Mireille Mathieu. Ah non, on se moque pas de Mireille Mathieu. S'il y a bien un endroit où on se moque pas de Mireille Mathieu, c'est ici. Non, monsieur. Mais non, mais quand même. J'aurais aimé qu'il me visite, c'est une deux pièces meublée. Voilà. Nous aussi, on défend les Playmobil ici. Ça va faire la une d'ici Paris, ça. Ou de France Dimanche. Stéphane Plaza, le nouveau fiancé de Mireille Mathieu. On n'a pas dit qu'on était fiancés. On va répéter peut-être pour partir en tournée mondiale. Tu vas chanter quoi avec... Tu vas partir avec Mireille Mathieu. Non, mais attends, vas-y, chante-le-nous. Non, je ne peux pas le chanter. Vous allez briser ma carrière en deux secondes. Non, chante-le parce qu'il va comprendre l'ampleur. Tu vas t'en occuper tout seul de briser ta carrière. Vas-y. Il va chanter pourri en colère. Vas-y. Non, Karine, je ne peux pas chanter. L'hymne des agents immobiliers pourris en colère. Oh non, bah. Au moins, je suis sûr que c'est pas l'invité mystère. Vous allez faire un couple magique tous les deux, je dois dire. Il y revient. Ah oui, c'est vrai, si. Et quand vous allez lui ouvrir la culotte, il y a 1000 colombes qui vont sortir.